Depuis quelques mois, les 5 salariés des créations Taylor sont à pied d'œuvre, car cette année encore, une dizaine de villes empruntées par le Tour de France orneront leurs rues avec ces guirlandes. De fabrication et de confection 100% fontenaisienne, ce sont 25 000 mètres qui doivent sortir de ces ateliers. Ornées du maillot jaune, du maillot à pois, du maillot vert et du maillot blanc, ces guirlandes sont uniques dans leur genre. C'est un travail spécifique. Exemple, maillot à pois. Déjà, on fait imprimer ce pois. Et ensuite, dans la coupe des maillots, on le coupe au lectra pour avoir cette petite bande fine qui nous sert à le monter sur la drisse. Et sur la drisse, c'est le montage, le système de montage. On a un brevet où on est seul au monde. On avait ce brevet là où on était seul au monde dans le système de montage. Et les fanions sont déposés dans leur forme. Et ces petits maillots viendront colorer quelques villes vendéennes à l'image de Saint-Hermine et de Beauvoir-sur-Mer. Mais les meilleurs clients restent les Bretons avec cette commande spéciale. Eh bien, la Bretagne est un très bon client puisque ces maillots là que vous voyez, on en a livré 5000 mètres à Lorient et donc on a livré à peu près 6-7 000 mètres sur la Bretagne. Et dans le reste de la France, Issoire, Saint-Paul-les-Trois-Châteaux et Créteil ont entre autres passé commande. Une manière comme une autre pour les créations Taylor de participer à cet événement. Cette grande boucle qui est exceptionnelle, moi je l'ai vécu sur 4 étapes l'an dernier, c'est fantastique. C'est vraiment cet événement mondial à laquelle je participe avec mes petits moyens, mais je suis très content d'y participer. Guy Le Thor, à qui les idées ne manquent pas, a déjà des projets plein les cartons pour la grande boucle de 2012.